on va t'expliquer après. Bon. C'est bon, on est en direct sur la page. Bon, on met un petit bout de quelque chose. Dans ce milieu, on rêve tous de voyager. Et quand on est artiste, on veut aller de l'autre côté. Mais parfois, on se demande, est-ce qu'à notre arrivée, les gens vont nous regarder? Est-ce que les gens vont nous calculer? Mais une fois qu'on met les pieds là-bas, on est tous étonnés. On est tellement bien accueillis, on dira qu'on n'est même pas dans un autre pays. Alors je fais cette chanson pour honorer toutes ces personnes. Une manière de leur dire merci, une manière de leur dire qu'on la reconnaît. Oh, je parle de maman Lydie de Paris. Oh, de live. Son cœur à la Calcutta. Oh, en soul de peine la Bourguilla. Lydie de l'Élysée, un Chepaka. Bouillonio. Ceux qui sont avec nous, on les reconnaît. Ceux qui sont contre de nous, on les reconnaît. Salut, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le cadre de ce moment d'échange relax, sans stress et sans conducteur. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un mood différent des autres jours. Nous sommes le jeudi et on a tenu à se rencontrer et à discuter, à échanger rapidement comme ça à l'emporte-pièce. Et je me suis dit pourquoi pas échanger avec les internautes et s'amuser avec vous à la maison, bavarder de tout et de rien, ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas, on en discute. Et avec moi, dans ce studio, j'ai trois magnifiques personnes qui vont échanger avec moi au fur et à mesure. J'ai à la gauche Alexia. Alexia, bienvenue. Merci Duvalier. Bonjour, bonsoir à tous. Ça fait un bail, hein, franchement. Nos époques Covid et on est toujours là. Ben, y a beaucoup de monde beaucoup de gens qui vont dire « Ah, Alexia, elle est là, enfin, Alexia !» Est-ce qu'ils vont se souvenir de moi-même ? Ben, bien sûr, nos amis de Calgary partout qui ont longtemps été très fans d'Alexia tous les dimanches, ils vont revenir encore en force et me dire du Valais. Ben, super contente de revenir, j'espère retrouver tout le monde, je suis super heureuse d'être de retour. Mais non, tu vas retrouver. J'ai hâte pour la suite. Tout le monde est là, personne ne disparaît, tout le monde est sur place, tout le monde est en santé, tout le monde a une santé de fer. À côté, on a bien sûr Suzy qui est avec nous. Suzy, bonsoir. Bonsoir Duval. Comment tu vas? Et puis on est là, hein, tranquillement. Mais nous, on n'a pas ton son, honnêtement. On t'écoute, on t'écoute pas à peine. Tu es très loin de ton micro. Ok, pardon. Hein. Alors, c'est bon maintenant? Là, c'est super. Là, c'est mieux. C'est encore mieux. Mais okay. C'est toi qui as le micro? C'est toi qui as le micro là? Alors que je vois, parce que ça me signalait qu'il y a quelqu'un qui a arrêté le micro. Voilà. Donc, Suzy, comment tu vas aujourd'hui? Ah, j'étais de 10 ans que nous sommes là, tranquillement, tranquille, bien posé. Et tu rassures les internautes que d'ici très bientôt, tu auras l'opportunité d'échanger avec eux. Tu vas devenir leur star également. Ah, je crois que le plaisir est mis là. On verra. Ouais, pourquoi non, pas. Il y a trop de fans ici. Hein. Les gars sortent, ils se fâchent, ils deviennent fans des internautes, des animatrices ici. Je ne sais pas pourquoi, c'est de nous, c'est des complications. Moi, dont les gens ne sont pas souvent fans, je ne sais pas pourquoi. Complications, bienvenue. Merci. Tu as ton micro, tu peux ouvrir ton micro là, pour complication. Tu as un micro à main, non? Mais vas-y, tu peux l'ouvrir. Voilà. C'est ouvert. Hein? Oui, c'est ouvert. Oui, oui. Bonjour à tous. Voilà, le son est nickel là. Je suis très ravi et heureux de revoir tout le monde aujourd'hui. Ça faisait un bail, Covid nous a un peu décentralisés là. Oui. Et papy, tu es parti quand même au Cameroun pour très longtemps. Et comment s'est passée ta réintégration après le retour, comment était la réintégration? Le retour a été fatal. Ouais. On aurait dit que c'est moi qui ai changé de pays là, je ne sais pas trop. Comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé? On peut changer au Canada là, mais c'est bon, fais avec.
C'est le challenge, le Canada Challenge ici. Bon, qu'à cela ne tienne, c'est aussi, comment on dirait, un nouvel apprentissage qui va nous permettre de voir la vie d'une autre manière et de pouvoir aider aussi ceux qui arrivent après nous, parce que les choses sont en train de changer. Surtout que tu as le Parlement, tu as le lieu d'excellence où tu reçois la majeure, une bonne partie des personnes, qui, des Camerounais surtout, qui arrivent à Toronto. On passe d'abord au QG avant d'aller ailleurs. J'ai la salle d'accueil là. J'ai pas prévu de déménager la salle d'accueil l'heure du jour là. Mais bon, l'apprentissage va être long pour tous ceux qui arrivent, ceux qui sont les nouveaux, parce que ça va pas être facile dans les choses à venir. Mais bon, on va partager, on va voir. Et heureusement que nous sommes réunis ici, vous apprendrez beaucoup de nous. Nous aussi, on apprendra beaucoup de vous. Parce que en même temps que nous découvrons, en même temps aussi, vous aussi, vous découvrez. D'aucuns chers font des recherches plus que nous. Ouais. Donc, l'apprentissage sera réciproque et partagé. Et rassurez-vous qu'on fera le mieux pour vous diriger de la meilleure des manières. D'accord. On fera de notre mieux pour vous diriger de la meilleure des manières. Alexa, Alexia, de Alexia, s'il te plaît. Ne me demande pas d'allumer la lumière. En fait, c'est ça le réflexe. C'est justement... Comment est-ce que vous savez? C'est justement ça le réflexe. Parce que tous mes collègues me font la blague. Ah, Alexa, tu peux allumer la lumière? Parce que c'est le réflexe que j'ai. Chaque fois que je dis Alexa, c'est pour dire, mets-moi la musique. Et voilà. Alexa, est-ce que tu peux me jouer une bonne une chanson camerounaise ou congolaise? Mais là, tout de suite, là, j'ai dit Alexa, alors que je voulais dire Alexia. Alors que tu sais très bien depuis le temps qu'on se connaît quand même. J'ai failli faire gaffe là. Oui, Alexia, voilà. Alexia, il y a beaucoup de temps qui sont passés entre le temps où on a produit cette émission il y a longtemps. Et là, tu étais encore très timide, très calme. Et aujourd'hui, tu es devenu encore plus mouvementé. Parce que là, maintenant, moi, j'étais celui qu'on disait être star, mais maintenant je suis celui qui dit que les autres sont stars, parce que moi je te suis maintenant sur les réseaux et moi je me dis qui me donne ta vie. Hein. Ah, vraiment. Mais tu me mets comme toi. L'élève va dépasser le maître, c'est non, ça? Non, tu as dépassé le maître. En fait, j'étais à bonne école. Hein. Souvent, je pensais que je sortais souvent, que je connaissais les endroits, mais quand je te vois, je dis ça c'est la pure l'exemple de l'intégration. Ah, exactement, complètement d'accord. Je suis arrivée, je me souviens, dans l'émission, j'étais toute timide. Oui. C'est toi qui m'as appris un petit peu à me libérer, à être un peu moins timide à l'oral. Et là, je me suis vraiment découverte. Effectivement, je fais énormément de choses à Toronto. Ouais. Je sors, j'ai des activités, je fais de la danse, j'ai mon boulot. À côté, maintenant, j'ai une compagnie de 360, le 360 Photo Booth. Donc, ouais, je fais énormément de choses, je voyage aussi énormément. Et j'adore. Donc j'adore d'être de retour ici et de voir que tu as pu voir mon évolution. Bien sûr, je te suis. C'est juste que bon, comme l'émission était un peu en vacances, je me suis dit, faut pas que je prenne de tes nouvelles pour te dire ouais, je te salue juste en passant. Puisque je te vois, je suis content que lorsque je devais reprendre l'émission, il fallait bien que je te recontacte. Merci. Là pour qu'on revienne se retrouver ici. Allez, Suzy, avec toi également, on m'a dit que ton intégration également s'est très bien passée quand tu es arrivée il y a quelques années à aujourd'hui, où tu es une accro des enfants, parce que tu étais tellement en amour avec les tout petits. Et tu en fais également ton travail. En quelque sorte, oui. Je dirais que les enfants, je les adore parce que il fait bon vivre avec les enfants. Ouais. Alors, faire l'expérience d'être avec des enfants, c'est faire l'expérience du pardon, l'expérience de la naïveté, mais pas une naïveté... banal là, c'est-à-dire une innocence vraiment, voilà, l'enfant t'apprend cette innocence là, voilà, pas qu'il ne connaît pas, mais il est genre, voilà, qu'est-ce que je peux faire demain, ou bien il ne sait pas s'il va venir demain et qui va rencontrer, et quand même il est à l'école, si son ami fait quelque chose, pose un acte, et il viendra là, madame. L'ami m'a tapé en pleurant, et puis par après, c'est lui qui va embrasser l'ami qui l'a tapé. Alors, tu comprends avec des enfants le goût, c'est-à-dire tu as vraiment le goût de la vie, là. Tu dis, mais comment si les adultes pouvaient retourner vraiment à l'enfance, là, je crois que le monde serait parfait.
Ah, le monde serait parfait. Mais ça me rappelle encore une des enfants qui, un jour, nous on joue au ballon tout le temps, tous les mercredis, vendredi, samedi, dimanche. Il y a des enfants qui sont venus, qui viennent juste souvent avec nous. Et il y a un enfant qui est rentré un jour, dit à sa maman, il dit, maman, moi je ne comprends pas les papas et ses amis. On dit, et maman dit, c'est quoi? Il dit, maman, quand ils entrent au stade, ils se crient dessus, ils se crient dessus, ils se crient dessus. Mais lorsqu'ils ont fini de jouer, ils sont ensemble. Ils boivent ensemble, ils discutent comme des amis, ils se saluent, ils causent. Alors qu'il y a quelques minutes, ils se sont criés dessus comme s'ils voulaient bagarrer. Mais à peine deux minutes, ils sont devenus des très bons amis, ils causent. Après, tu comprends que l'enfant est encore dans la naïveté totale. Exactement, si seulement les adultes pouvaient être de la même manière. Oui. Il est encore dans toute une naïveté, il se dit, mais attends, lorsqu'on s'agresse, c'est parce que ça veut dire qu'on est fâché. Il oublie qu'on peut s'agresser parce qu'on est dans un cadre bien spécifique, qui est le soccer, le football. Et après ça, on est d'abord dans la vraie vie des personnes qui vivent ensemble, qui échangent ensemble, qui communient sur beaucoup de points. Mais j'ai compris, ça m'a touché, j'ai dit, ah, prochainement, évitez de montrer aux enfants que vous criez dessus beaucoup. Sinon, eux-mêmes, à la longue, ils vont se dire, c'est quelque chose de normal. Se crier dessus, après s'embrasser, discuter, échanger, boire ensemble. C'est normal, mais c'est vrai que c'est normal, mais il faut pas toujours, faut changer. C'est aussi une éducation qu'on donne aux enfants à ces moments-là. Ok, d'accord. Aujourd'hui, on a dit qu'on se faisait plaisir au maximum, on relaxait, on s'amusait. Et pour s'amuser, le premier élément sur lequel on va s'amuser aujourd'hui, c'est la chanson. Tadam. Et je sens comment il y a une qui est déjà toute contente. Elle a répété. On peut voir qu'en venant aujourd'hui, elle avait déjà répété. Elle s'est certainement dit que bon, Duvalier va certainement nous plaisir quelque chose. Et aujourd'hui, elle a dit qu'elle est prête. Alexia, dis-nous, qu'est-ce que tu veux chanter? Qu'est-ce que je veux chanter? En live. Est-ce que j'ai libre choix? Oui. Que c'est une chanson en français. En français, j'ai envie d'écouter du Pierre Quenders. Tu veux chanter du Pierre Quenders ou tu veux écouter? Chanter, écouter. Non, je ne sais pas qu'on chante. Chanter, papa. Pierre Quenders. Pierre Quenders. C'est quoi le titre que tu veux chanter? Nyata? Ou tu veux Nyata, chanter... ouais, Nyata, j'aime beaucoup. Tu veux chanter Nyata? Ok. Essayons de voir. Ah, d'accord. Pour information, il a fait un concert récemment à Toronto. Enfin, ce n'était pas son concert, il était en première partie. Donc, les chanteurs, c'était Everything. C'est un groupe de rock. Ouais. Et lui, il faisait la première partie. J'ai payé mon billet juste pour aller le voir. J'ai fait la première partie, je suis rentrée à la maison. Et à la fin, la petite anecdote, donc, il est congolais, tout comme moi. Et à la fin, tu pouvais papoter un petit peu avec lui. Donc, j'ai commencé à parler un petit peu avec lui. Il me dit, ah, trop cool, t'es depuis quand au Canada, etc. Je lui ai dit que j'étais super fan de lui. J'étais carrément émue de le voir parce que c'est un artiste que j'écoute depuis que je suis un petit peu plus jeune. Wow. Et il a décidé de me donner un vinyle en cadeau. Oh. Ouais. Donc, j'ai vinyle à ma maison, je l'ai accroché dans ma chambre. Donc, dès que je me réveille le matin, j'ai Pierre Quenders en face de moi. C'est pas quoi. Alors, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de chanter. Ça veut dire que le lyrique que moi je trouve, c'est du SMT. Qu'est-ce que tu préfères? SMT, Nyata, Airbeat, Arthur avec Anaïs, Nyata. Bon, là, tu vas chanter parce que je vais mettre juste un petit bout et tu vas pouvoir chanter en live. C'est bon? Ouais, super. Voilà. Moi, je vais baisser complètement hein, parce que je vais t'écouter en live. Ah non, mais ne baisse pas, c'est pas du karaoké. Hein. On t'écoute. Non, là, tu manges à la bouche. Là. Je ne comprends pas, là. Ah, tu n'entends pas? Ok, on y va. Mets la musique. Oui, mets à fond. Oh, nia, nia, nia. Oh, nia, 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 nia. Oh, nia, nia, nia. Non mais tu fais pas le karaoké. You too close. Oh, nya, 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 nya,
voilà la chanson qui lui a valu un... Avec cette chanson, elle a eu tout un qu'elle a gardé dans sa chambre, bien positionnée là. Donc, il faut que Pierre Coindes regarde, se rappelle qu'il a pu toucher un cœur. Vraiment, si je nous écoute depuis Montréal, Pierre, bien le bonjour et à très bientôt. Voilà, allez, donc Pierre, dis-toi que chaque fois que tu as un concert, tu as déjà une fan. Ah oui, d'ailleurs, Pierre, mon numéro, donc c'est le 647. Non. Plaisante. Si tu connais ça ici, je vois Frédéric qui est là, je vois Foster qui est là, je vois Galaxy qui est là, je vois tous ces gens. Mais attends, ils allaient plonger sur le casque. Ah, mais non, voilà. On a encore la façon dont tu m'as protégé. Ah, non, oui. Alexandre. Non. Ça reste encore une exclusivité, le Duvalier, les complications. Je suis plus aussi naïf qu'avant. Voilà. Vraiment. Parce que Ferré allait commencer à dire, ah voilà, maintenant j'ai le contrat d'Alexa et tout. Non, il faut être vigilant. Il faut être très concentré, il faut rester concentré. Parce que c'est au moins papy a encore l'exclusivité d'avoir le numéro d'Alexia, c'est déjà quelque chose. Hein, papy, c'est pas tout le monde. Ah ben oui. Voilà, je vois les Ferré, tout le monde, la Galaxie, tous sont là, ils attendent avec impatience l'occasion de... Voilà, allez, Suzy, maintenant, on fait du live. Non, mais non, on fait du karaoké. Non. J'ai oublié Suzy. En fait, c'est comme ça ici. On fait du karaoké. Parce que quand on fait de la cappella, on n'a pas le son. Je ne peux pas vous donner le son en studio pendant que ça chante et vous chantez. Sinon, si j'ouvre votre micro, ça va couper le son en studio. Donc, vous ne pourrez pas avoir le retour. Ah. Donc, par conséquent, on fait du karaoké. Vous choisissez la chanson et vous la chantez en live. Ah, j'imagine. Ah, ben oui. Ah oui, parce que c'est bien ce que papy va chanter. Hein. Moi, je connais pour papy. papy peut nous sortir une belle chanson du village. J'ai dit, mon inspiration, elle est partie. Là, pour... Non, ça ne peut pas partir. Ça ne peut pas partir à Frédéric qui te regarde. Ne fais pas ça. Si ça ne va pas, tu fais... Il est trop mignon, mais il faut faire attention. Mais non, il n'y a pas marié. Parce que Félix sera content. Hein. Si tu fais ça, il va dire, oh my God, il a sorti le village. Bon, en tout cas, Suzy, je suis avec toi. Tu nous fais quel live alors? Quel capella? Qu'est-ce qu'on a en capella? Ah ben, j'aurais chanté un morceau religieux, je ne sais pas si c'est... Mais non, vas-y. Non, vas-y, si c'est pour faire un live. Non, on va prendre Charlotte du Panda. Ah ah, voilà. Charlotte Dipanda. Voilà, allez, ouais. On y va. On y va, coucou les Charlotte Dipanda. Oui, vas-y, non, a cappella, ça veut dire que tu te donnes rien du tout. Tu mets pas le son. Non, rien. Ça n'a pas d'allure. Okay. Ça n'a pas d'allure, le. Parce que là, non. si tu sors des gammes, tout le monde c'est va savoir. C'est ça, non, mais elles ne sont quand même là. Je ne suis pas... voilà, il faut m'accompagner, mets un fond sonore quand même. Ok, je vais mettre le fond sonore juste dans mon casque, ok? Ouais. Juste dans mon casque. Tu écoutes dans mon casque et tu te contentes de ça. C'est bon? Tu écoutes dans mon casque. C'est bon? Voilà, écoute mon casque. Écoute à partir de mon casque. Matimba jesele Napata mangoso E kongola nesaka Natitina bambele wa muna Nabino na otitina owele Yembe samule ma mungo Minyama bwa mengeya Na mapula na obina newa Kuku Niwai na mapula na bina niwai kuku niwai na mapula na bina niwai kuku niwai na mapula na bina niwai kuku je suis là. Bolete janane mundi mwase Sonite se melongi zane babila Nendeke mune e mapape Jeye sebo mane nonge yae Nasi bende toka sewae Tobunya wamene obindika
I know you can understand me. Minyama bwa megeya, na mapula na ubi na newa. Kuku, newai, na mapula na ubi na newai. Kuku, newai. Na mapula na ubi na niwae, kuku niwae. Na mapula na ubi na niwae, kuku niwae. Voilà. Tu veux terminer? Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y. Elle est concentrée. C'est maintenant que l'inspiration commence. Fais les instruits. Non, c'est bon. Ok, c'est bon. Tu as, si tu as réussi ton coup. Elle nous diminue, on se sent plus petit voilà. Maintenant. Elle a fait de son mieux. Elle a fait de son mieux. Super. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que pendant qu'elle le fait comme ça, donne la peur, ça fait paniquer les complications. Oh, pas du tout, comment? Les complications commencent à être en difficulté. Je me dis, est-ce que je vais pouvoir relever le challenge? Parce que maintenant, il y a tout le monde qui est là, il y a le pro du foot et tout, Fénéré qui fait, comment dire, fais attention à couper ta langue et tout. Et je suppose que je ne sais pas pourquoi. C'est pas comme si... Tu ne vas pas tout chanter pour leur montrer que tu connais, mais tu ne vas pas tout faire. Ouais. Vous leur dire que tu connais chanter, mais tu vas pas exposer ton talent pour parce qu'on pirate. Réalité, si je monte tout aujourd'hui. Oui, Frédéric va pirater. Frédéric va pirater, je sais. Il faut que je. Ouais. Il faut éviter les piratages, ces genres de choses. Il faut juste que je sorte quelques mots pour. Voilà. Maintenant, voilà. Le reste des auditeurs vont écouter la suite. Voilà. Parce que bon, il faut bien les captiver. Non, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord. Ça, parce que je les vois très nombreux. La prête à Karet Silatia qui veut copier ton talent et tout. Donc, il faut être vigilant. Oui, vas-y, complication. Donne-leur un petit bout. Juste un petit bout. Un petit bout, pas là. Oui. Bon, on va un peu aller dans la tradition, là. Ah, j'étais sûr. Ah, ouais. Je vais revenir, comme Ferré a dit, je veux éviter que Duvalier se morde. Je veux revenir à ça, en fait. Voilà. On va aller doucement. On y va, mon loup. Bon, ouais. C'est lancé. Gouelloué. Gouelloué. L'eau en charme. Un yumus me ninchara. Gwelo onge a fang marie. Member me sos, a ye membus. A on me mati mouton. Eh ben non, vas-y. C'est là où je t'attendais. Non, là je t'attendais. Member me sos, a te me visu. Ah, mais c'est quoi ça? Mais non, je t'attends. Tu peux baisser ton volume. Vous baisser le volume. Oh, bon, c'était juste un petit attaque. Non, complication, c'est là où je t'attendais. J'attendais que tu nous fasses la partie là, exactement cette partie-là, pour que tu démontres à Ferré qui n'a pas le talent. Le reste, il a déjà suivi. Il sait que j'ai fait l'effort de. Maintenant, là, pour le reste qui veut l'écouter la suite, là, il doit venir me suivre. Là. Bon, vous allez continuer à suivre l'émission parce que la prochaine. Mais ça veut dire que finalement, ça veut dire que finalement, je peux être plus talentueux que toi. Non, hein. C'est pas une question de talent. Je veux que les auditeurs sachent que j'ai juste commencé et la suite viendra après. La chanson, c'est de Belka Tobi, c'est ça? Belka Tobi, ouais. Ok. Je vais faire mieux que toi, ok? Duvalier, avant ça, est-ce qu'on peut faire une petite dédicace à ma petite sœur Alison qui est en train de nous regarder? Alison Sweet. Eh oui! Alison Sweet, grosse dédicace, pas une petite seulement. Allez, fais de la dédicace, fais de la grosse dédicace à elle. Merci ma sœur de nous regarder, de nous suivre. Gros bisous. Voilà. À tout à l'heure. Alors, super. Allez, merci d'être connecté. Allez, maintenant, je fais la démonstration pour montrer. La chanson, c'est Solitude, c'est ça? C'est quoi la chanson Solitude, c'est ça? C'est Solitude, je suis de bonne mémoire. Hein? Belle. Ouais, et
Écoute, d'abord, tu me dis si tu reconnais la chanson. Parce qu'il ne faut pas que je démontre mon talent ici. Après, Frédéric va paniquer, il va commencer à me dire, oh, voilà. Et si oui, quand on veut traduire la chanson, elle veut dire, il faut arrêter ton mari. Ah bon, oh, j'avais demandé justement. Tu m'as dit ça. Non, ça c'est pas, c'est, là-bas c'est femme mariée, c'est ça? C'est ça? Ouais. Voilà, donc je vais démontrer à moi mon challenge avec Frédéric. Frédéric, dès que tu es à la maison, tu prends des cours, ok? Faut me supplier que j'arrête, ok? Frédéric, écoute ça. Ouais. Ah, on peut aller là. On respire. On respire. Frédéric, est où? Quello, ouais. Quello, ouais. Quello, ta mega. Ayumus, menis, taka. Quello, ouais. Quello me a fa marie. Federica, uile, 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 uile. Mica, se io mi mangio. Quel me li pe marica ma. Ai un mus me ni chaca. Federica, u. Dile che mio. Allora il faut faire attention. Ah non, c'est bon. Frédéric est gardé, il est glacé à la maison. J'ai dit, j'imagine comment Frédéric peut être glacé à la maison, d'entendre comment sa langue est restructurée, reconfectionnée, réorganisée et remaniée, que même son frère a complication. Tu n'as pas dit que tu viens de massacrer. Quoi? Mais bon, on est dans une antenne. Non, complication. Tu vas pas dire ça, complication. Tu es d'accord que toi, ça t'a dépassé. C'est la jalousie qui parle, complication. Non. Il faut être sérieux là. Non, il fallait qu'il change de bami là, c'est sûr. Non, je suis venu dans son territoire en fait. Mais on va quand même saluer le courage. Oui, on va saluer le courage. On salue le courage là. C'est bien que tu sais quelque chose. On salue le courage vraiment. On salue la volonté qui a eu. Oui, et je comprends qu'il veut la nationalité chez vous là. Non. Je crois que je vais demander à notre ministre. Non, ça on peut pas. Mais non, parce que la différence, c'est ça la différence de vous et moi, parce que moi quand je décide de faire du karaoké, je le fais franchement, ouais. Mais vous avez l'impression que vous n'avez pas de chanson, que vous maîtrisez les paroles, mais qu'est-ce que ça s'explique comment? Vous écoutez les chansons tous les jours, mais vous n'avez pas de chanson dont vous maîtrisez les paroles. Il y a la fille Jo qui a dit merci pour la fille Jo d'être en ligne là. Oh, elle demande vraiment que tu restes. Ah là là! La vidéo, nous présentons nos excuses pour ce massacre. Mais qu'à cela, tu... Non. C'est pas question de massacre, parce que si moi je décide de chanter personnellement, vous savez que moi j'ai du talent. Vous êtes sans ignorer que moi je peux chanter n'importe quelle chanson. Si, bon, je fais le karaoké, ok? Juste pour qu'on donne la correction à ceux qui n'ont pas pu, parce que je veux donner la correction. Du karaoké. Est-ce que vous me permettez là, je te conseillerais pas de t'aventurer là. Je te demande de partir plutôt. Il faut aller chez les bands parce que je crois que là. Non, moi je maîtrise toutes les chansons. Non, j'ai pas dit le contraire. Maîtriser toutes les chansons. Et je maîtrise les paroles. Et puis être okay. Même la chanson. Je suis la chanson. Chose. N'est-ce pas? La preuve. Bon, ok, je prends l'audience à témoin. Ah oui, ok. Je prends l'audience à témoin, ok? Je vous donne le challenge. Et vous devez relever le challenge. Ça veut dire, moi, je chante sans musique. Oui, allez. Et quand je vais chanter, vous comprenez que j'ai chanté textuellement comme l'artiste. Ah ben, dis donc. Identiquement et même plus que l'artiste. Parce que moi, je peux mettre encore des accords et que l'artiste n'avait pas pensé mettre. Mais, parce que vous, quand vous chantez, vous avez
les fuites de parole. Parce que complication là où il est là, il est en train de réfléchir que, quelle peut être la chanson qu'il peut chanter pour. Non, on est tous en pression là. Mon casque ne tient là, j'aurais dit, je ne vois pas la chose sous cet angle parce que je me dis là, on est dans le fond. C'est déjà intéressant. Ça nous fait un peu sortir du froid qu'il y a à l'extérieur là, qui nous met en boule là. Parce que franchement, il fait froid là. Ça me donne envie de chanter les chansons d'amour. Ah ben oui. Ouais. Mais qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui t'empêche? Comme par exemple, bon, je donne un petit acapella de quelques instants là. Et elle a les yeux revolver. Ah ben dis donc. Et elle a le regard qui tue. Ah ouais. Ah ben dis donc. Elle a tiré la première. Il s'est foutu pour moi. Elle a les yeux. Mais... Et même jusque là. Elle a le regard qui tue. Elle a tiré la première. Il s'est foutu pour mon cœur. Non, mais ça, c'est la deuxième. Bon, ok. C'était complication. Je savais pas que c'était comme ça. On a considéré que j'ai froid. Je ne savais pas que c'était comme ça que vous alliez faire. Bon, je commence alors à vous prendre la tête. Je commence à challenger complication sur sa chanson qu'il a choisie. On commence par là avant que je fasse une autre chanson. On est d'accord? Ah, je sais. Le palais tenu, je le challenge d'abord. Tu vois, il aime l'imitation. Cette non, je le challenge d'abord parce qu'il faut que les personnes comme Frédéric restent à la maison et prennent des cours, prennent au cahier, notent mon talent. Parce que mon talent va être noté avec Guessoir Guillaume, Virki, Gaël, Lafi, Joe, tout le monde. Alison également, ensuite, qui va venir noter. Parce qu'il faut qu'elle vous dise, elle te dise à toi après que ce mec, il chante bien. Il connaît chanter, il connaît agencer les paroles quand il chante. Il sait ce qu'il fait. Il t'attonne pas. Quelqu'un disait, on juge le marchand au pied du mur. Allez-y, on vous écoute. Un peu spécial, elle est célibataire. Le visage pâle, les cheveux en arrière. Et j'aime ça. Elle se dessine sur des jupes fendues. Et je devine des histoires défendues. C'est comme ça. Tellement si belle quand elle sort. Qu'elle a fait. Tellement si belle, je l'aime tellement si fort. Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue. Elle a tiré la première, elle m'a touché, c'est fou. Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue. Mais Alexia, elle a tiré la première, elle m'a touché, c'est foutu. Il a les yeux revolver. Il a le regard qui tue. Il a tiré la première. Vous comprenez que le talent, est-ce que c'est bon maintenant? Voilà Chantal, Chantal qui a gagné. Tu parles trop, hein? On fait autre chose? Ok, je vais vous démontrer que je suis talentueux en fait. Parce qu'il faut que Complication prenne les cours et que Frédéric prenne les notes. C'est important pour moi, j'accorde une importance capitale à cela. Bon, je suis vraiment en train de prendre les notes là. Voilà, voilà quelqu'un qui est au moins honnête, voilà quelqu'un qui au moins accepte. Non, moi j'essaie de réfléchir. Rassurer comme il a assuré là. Chacun doit réfléchir. Parce que réfléchissez. Qu'est-ce que vous voulez offrir? On se lève un matin comme ça. Voilà. Tu sais, on est dans non, en fait, c'est qui fait repère, toi, c'est pour que vous habituez à écouter. Mmh. Regardez, par exemple, si je vous fais, par exemple, autre chose. Parce que moi, mon talent est inné. C'est pas comme le vôtre. Je vois déjà les cheveux qui sont en train de gonfler sous la table de la radio, là. Donc, ah ben oui, c'est ça. Parce que si je vous fais autre chose, je sais que Ferré va être surpris, complication également. Dynamo, 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 quand on était petit, chacun d'entre nous avait ses projets. On disait, si on grandit, on va payer voiture. Tellement pressé, on fabriquait voiture en jouet. Qu'elle a fait? D'autres disaient, on va payer maison, parce que papa a toujours dit que brique là, ça pourrit pas. Grâce à Dieu, aujourd'hui, ça va un peu chez moi. Alléluia, oh, on va louer le Seigneur. Dynamo, oh, 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 Dynamo, oh, oh, oh. Il y a des talents ici, je vous assure, je crois qu'il y a laisse ta jalousie de côté, amène-toi plutôt de courage. Il y a du challenge là pour la semaine prochaine, faut qu'on se reprenne les amis. C'est pas parce qu'on est né pour qu'on va finir dans la galère.
Tant qu'il y a la vie, on dit il y a espoir. Dynamo. Ça va aller, vous sentez bien, ça va? En fait, tu nous as invités pour nous humilier, quoi. C'est ça. Venez, on va faire une émission ensemble. Il est là, il nous humilie. Est-ce que c'est normal? Parce que je pensais que vous aviez du talent. Moi, j'étais sûr que vous avez répété pendant tout ce moment, que vous avez retenu même une chanson. Donc, vraiment, vous n'avez aucune chanson que vous connaissez? Non, mais... Bon, on chante quoi en congolais? À Lingala. On chante quoi? On chante quoi? On chante quoi en Lingala? Alexia? Attends, mais il ne faut pas que je me loupe, parce que déjà, la première, j'ai mis une chanson, voilà, j'ai fredonné. Moi, c'est ta soeur qui va te faire la peau après. C'est elle qui va dire, mais là, tu as représenté la famille, et là, on est foutu. Attends. Parce que cette complication a été répétée. Si tu vois complication, il regarde le lyrique, il regarde les textes de Charlie Chaplin. La complication, il est sur YouTube en train de regarder les lyrics. J'essaye de partager au maximum là. Attends, les gens qui sont. Il cherche. On dit que tu vas être Bissona Bisso. Voilà. Ah, Bissona Bisso. Non, mais est-ce que je le refrain peut-être, mais. Non, comment le refrain? Ah! Attends. Yeah. Tu sais pas ça? Le matin, on se réveille. Tu connais pas ça? Oh, si je chante à côté de ta soeur, elle va dire, oh non, je veux la vie avec elle. Incroyable! Elle veut que tu chantes ça. Ta soeur veut que ce soit toi qui chantes. Donc, prépare-toi. Tu connais un peu du Bissona Bisso? Attends, mais tu vas mettre avec le son ou pas? Un petit bout, juste un petit bout pour que tu écoutes. Tu te rappelles la chanson? Non, elle t'a piégé. La partie là, tu ne peux pas connaître. Franchement, couper une partie de rap en plus, come on. Elle ne peut pas connaître la partie là. Comment tu peux choisir Bissona Bisso? Il lui faut une chanson qui est calme. Attends. Complication, lui, il est en train de faire des recherches. On dit que complication, c'est silencieux, vous comprenez? Il fait des recherches. Non, il est en train de chercher. Il cherche le titre qui va pouvoir cartonner. Non, parce que il veut quelque chose. Qu'est-ce que. Bon, on peut faire. Complication, et si on faisait juste pour toi, parce que je sais qu'il y a Frédéric qui est là. Et on peut faire quand même comment il s'appelle? Comment il s'appelle déjà le défunt artiste Eboirotine? Non, faut pas proposer les affaires après, il va te mettre. Non, je suis pas d'accord. Alors, cher monsieur, allez-y. Donc, il fait l'effort de me mettre sur une mauvaise route. Donc, tu veux quoi? Tu choisis quoi? Tes intentions, hein? Toi, tu veux jouer quoi, complication? Tu veux chanter quoi? Alors, tu es là. Qui croira? Là, au moins, c'est facile. Qui quoi là, voilà. Elle a été humiliée là, tu sais ça. Non, elle n'a pas été humiliée. Bah, t'as dit elle était humiliée. Non, entre parenthèses. Non, elle s'est rattrapée. Oh, bon. Elle s'est rattrapée chez nous, mais elle n'a pas été humiliée. Non, il y a eu un couac technique, c'est tout. Bon, elle n'a pas été humiliée. Elle a eu un couac technique. Elle n'avait pas de retour, donc faut pas dire que non, quand même. Elle n'avait pas de retour. C'est une superstar. C'est une icône. Non, on l'a humiliée, mais elle chante bien. Bon, complication a décidé. Il a mis la chanson devant lui, hein. Retiens les paroles. Non. Quand je veux vouloir chanter, tu vas me mettre un peu de fond sur. Qu'est-ce que tu veux? Pour l'instant, là, vous savez qu'il fait froid, non? Oui. Je suis en train de me ressourcer ici. Tu veux faire du poème? Ça me plaît bien, là. Je suis dans de bonnes conditions, là. Ne me voyez pas silencieux, là. C'est juste que je me sens bien. Il est bien dans son coin. Mais oui. Bon. Ça veut dire que. Ça faisait un bon bout là. Oui. Qu'on ne s'était pas retrouvé comme ça là. Et puis le fond de ce soir me plaît bien. Je me dis la vibe ira de la même manière pour le restant de nos émissions. Oui. Wow. Et. Quel beau souhait. Donc, ce qui revient à dire que pour tous les auditeurs de ce soir, sachez que on n'a même pas commencé à vous satisfaire. Voilà. Donc voilà, on n'a pas commencé à vous satisfaire et parce qu'on n'a pas commencé, on va repartir avec la deuxième rue parce que sur le cadre du chant, j'ai gagné. Retiendras aujourd'hui celui-là. J'ai dû leur donner la chance de se repréparer, de revenir à la charge. Mais où est le talent?
Ce n'est pas de ma faute. Donc, maintenant, on va repartir vers la deuxième partie parce que Complication a dit qu'aujourd'hui, il se sent tellement chaud, tellement bien. Allons vers la deuxième rubrique. Maintenant, on va faire le poème. Complication, c'est là que je t'attendais. Et je sais que tu es un parolier, que tu es un charmeur, un homme de parole. On demande le volume là sur Facebook. Complication, okay. Volume, s'il te plaît. Je disais, c'est les poèmes là. Alors, tu as ton micro, non? Parce qu'il faut être sûr. Voilà. Vas-y, c'est voilà, bon. Maintenant, on t'écoute. On t'entend. Mon micro passe là. Super là, bien. Maintenant, c'est toi qui dois remonter juste la parole pour qu'on puisse être sûr que tu sais ce que tu veux dire. Bon, que tu ne caches pas la parole dans la gorge. Après, tu fais comme si tu le micro dérange. J'ai pas prévu crier ce soir. Si. Mais pourtant, il faut que tu crées. Non. Crier là, il fait froid dehors. Il est bien dans son. En complication, imagine que ta soeur Diable est signée en face de toi, fais-lui un poème. Je sais que tu vas sortir un joli poème familial. C'est pas grave. Essaye-toi un poème. Diable signe te regarde. Ta soeur est en train de te regarder. Elle attend. C'est elle qui a dit que tu mets le volume parce qu'elle s'est dit, est-ce que mon grand frère peut laisser que le village soit tout contre nous comme ça? Ah, il écrit souvent les poèmes. Ah, mais pour complication, c'est un homme poétique. Non, mais je savais pas ton talent de poète. C'est pas la soirée poème aujourd'hui, là. Non, c'est tout. Je suis plus dans les proverbes, pas les poèmes. Non, on veut pas les proverbes maintenant. Les proverbes, ça après. On sait que tu vas nous sortir les proverbes du village. Bon. Laisse-moi commencer avec les filles. Suzy, je sais que Suzy, c'est une personne qui aime bien écrire. Donc, je suppose qu'elle a déjà dû écrire beaucoup de poèmes. Et qu'elle a déjà envoyé à beaucoup de bon monde des poèmes. Parce qu'elle sait déjà que lorsqu'on se retrouve en début du mois, il faut un poème pour commencer le mois. Il faut voir ses statuts. Hein. Dès qu'une journée est terminée, elle vous sort un poème biblique là et tout ce qui va avec. Bon, Suzy, dis-nous, tu nous offres quoi comme poème aujourd'hui? Comme poème aujourd'hui? Oui. Alors, je ne parlerai pas de poème, mais voilà, je vais quand même dire quelque chose. Je crois que parfois, il faut prévenir les gens. C'est pour ça que c'est la surprise. C'est pour ça que j'ai choisi de vous dire. C'est pour que vous ayez la préparation naturelle. Comme je disais encore aux enfants que je formais hier, que la spontanéité, c'est quelque chose qu'il faut avoir lorsqu'on fait l'animation. Oh, on ne doit pas être préparé. On doit créer. Moi, je n'avais pas de conducteur. Aujourd'hui, je n'ai même pas de conducteur. Je ne savais même pas ce que je venais faire ici. On venait pour parler de comment est-ce qu'on va démarrer l'émission là, dans quelques jours. Et là, j'ai dit, pourquoi ne pas mettre cette équipe à l'antenne et voir ce que toute l'équipe peut faire si on prenait tout le monde de court. Ça peut donner quoi? C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'il faut qu'on fasse tout, n'importe comment. Et à partir de là, maintenant, quand vous allez rentrer, vous n'allez plus dormir comme tous les jours. Vous allez maintenant vous dire, ce gars va nous supporter encore la semaine prochaine. Il peut nous supporter avec autre chose. Il faut qu'on se prépare dans tous les aspects parce qu'il peut nous prendre à gauche, à droite. On est prêt. D'accord. Alors, allons-y. Hein? On va dire, on est au mois de novembre, c'est ça? Voilà. Novembre. Libre. Mm-hmm. Novembre. Oui. Libre. Mm-hmm. On vibre. Ah. Alors, à cette heure-là, ou à cette heure-ci, dites-leur de ne pas se leurrer qu'en novembre, libre, nous allons vivre. Merci. Wow. Juste un truc comme ça. En tout cas, moi, j'accorde avec Faux parce que moi, personnellement, si on me demande ce qu'elle disait, moi, je ne peux pas vous expliquer, mais je sais qu'elle a rempli sa clause, sa part du contrat. Elle a fait du poème. Est-ce que c'était un poème? En quelque sorte, pas bon, poème. Elle-même n'est pas consciente. Oui. Elle est consciente que c'est... Non, c'est un poème, mais il n'est pas structuré, condensé. Il n'est pas... Oui. Voilà. OK, en tout cas. Sans préparation, sans quand même. C'est plus intéressant. C'est pour vous dire, voilà. C'est là que ça commence. Serge Finjok, comme Serge Finjok, qui est toujours animé à l'animation, ou Noël et Chepin, il peut avoir des idées de poèmes. Allez, Alexia, tout le monde te regarde. Le monde te regarde. Le monde te regarde, Alexia. On attend un poème. Tandan, fais tomber les cœurs. Duvalier. Oui. Je t'avais pourtant tant apprécié. Oh. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous fais? Oh. Pourquoi tu cherches à nous humilier? Duvalier. On pensait que c'était notre allié. Pourtant, il se lit de notre côté. Il se lit de moi. Tu vois, on croyait qu'il était un allié. Improvisation, il y a deux en plus. De l'autre côté,
Tu es de l'autre côté. Oh, oh yeah. J'avais pas vu le genre venir. Quand vous parlez comme ça, compréhension, on n'a pas l'expression. Voilà. Ça commence à venir. J'avais tout regardé, sauf le côté là qu'elles arrivaient en force. Voilà. Mais, ça, c'est un problème avec beaucoup de visualité. Et beaucoup de... Qu'est-ce qu'on en dit, hein? On peut même préciser que c'est la première fois qu'on se voit avec Suzy. Hein? Ah bah oui, hein? Oui. Donc... d'une certaine manière, il faut prouver son... Complétation, je voulais doux. Oh, c'est quand ce je mec, savais pas qu'il était doux. Il est doux, ce mec, donc. Il est doux. C'est que ça coupe en train de regarder. Il t'a envie du gâteau. Bien aimé. Il a un doux côté qui le regarde. J'aurais bien aimé que ma coco soit en lui. C'est quoi la coco? Bon, c'est pas le cas. La coco, c'est le produit, non? C'est quoi? Vous avez compagnie, c'est bien que c'est. Bon, j'aurais bien aimé qu'elle soit en lui, mais c'est pas le cas. C'est Alexia qui a une compagnie qui a les produits de photobooth. Mais vous, c'est quoi le produit? Parce que le tien, je dirais, Choc FM. Oui. Nous apprenons grand de vous. Nous découvrons chaque jour que nous arrivons ici. Nous passons des bons moments assez divertissants, qui sont assez spéciaux pour nous. C'est pas comme si c'est la nourriture qu'on venait manger. Mais on est heureux et on en sort rassasié. Voilà. Et là... d'une certaine manière, quand on traverse la porte, on rentre avec tous nos problèmes. Ah bon? Et quand on ressort, on ressort avec le sourire. Wow. On ne sait pas trop ce qui se passe dans la salle. On ne connaît pas la mouvance. On ne connaît pas la vibe. On n'a aucune idée de ce qui se passera. Mais une chose est sûre, la fin est meilleure qu'à l'entrée. Et je crois que... Ah, c'est un problème. Alors, on peut dire juste pour... voilà. Pour alors, enchaîner, chez Choc FM, on a des coques. Et puis, on choque. Quelquefois, on donne des hoquets. Ah, ouais, Guillaume, pour voir ça. Guillaume, j'étais fabriqué les stars. Tu auras tout ce que tu veux. Pour, si tu veux des points pour les Noël, là, y'en a. De manière hystérique, elles prennent de l'émotion, elles savourent le plaisir, les délices, et elles se laissent emporter par la voix suave de complications qui transportent le chacun dans un monde d'extase. Et surtout, elles s'indignent. Est-ce que c'est parce qu'une spéciale personne est connectée qu'il développe cet amour, cette sensation sensuelle, et surtout qu'il prend du plaisir à se sentir bien et à s'interroger sur la question de savoir est-ce qu'elle l'est connectée pour l'écouter? Si oui, il va encore s'en rendre sa voix encore plus suave maintenant que par le passé. Sur Choc FM, c'est toujours un plaisir de sentir tout ce qu'il y a de mieux, de prendre du plaisir et surtout de vous sentir bien sur la radio. Hein, complication? Je crois que pour l'instant, là, on est dans la bonne vibe. Allez, bonsoir à Nianze, Serge Fils, Diop, Noé Richepin qui nous suivent en ce moment. Merci encore à toutes ces personnes qui nous suivent. Allez, Alexa, tu imagines la rubrique qui va venir après? Tic-tac, 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 tic-tac. Imagine la rubrique où complication va gagner automatiquement. C'est la rubrique. Tu aimes quelle rubrique? Proverbe. Il a dit qu'il aimait les proverbes. Si j'ai fait les proverbes, c'est trop facile pour toi. Bon, concours de danse. Je ne suis pas là. Tu as dit que tu étais bien dans ton coin. Alors, tu es dans ton coin là. Alors, non, juste quelque part. Non, mais en fait, que tu esquisses. Juste esquisser quelque part là. Je suis d'accord. Je d'accord avec tout ce que vous entreprenez ce soir. Mais je crois qu'on n'a pas prévu tout montrer à tout le monde aujourd'hui. Mais c'est pour ça que j'ai c'est dit, c'est pour ça que même pour danser, on va danser sur place. Je ne veux pas qu'on brutalise le corps, parce que si on commence à danser fort fort, ils auront déjà une idée de comment ça va se c'est passer. C'est ça, on ne peut pas tout donner d'un là, coup. On a un début là qui est magnifique. Et... ça c'est les gens qui fuient le sujet. Ça c'est le cas quelqu'un. Il y a un super temps dehors. Quelqu'un veut fuir le sujet, quoi, c'est que vraiment ce que vous faites là, je suis justement avec vous. On est d'accord, non vraiment. On est ensemble. Voilà, donc vraiment. C'est
C'est assez bien pour ce qui se passe là. Ça, c'est pour fuir le sujet. Je pourrais inviter même toi, de nos auditeurs là, à venir nous accompagner là. Mais bon, ils sont tout le monde est loin là. C'est meilleur. C'est on écoute, Suzy dit qu'elle est tentée de dire qu'elle veut d'abord danser en premier. Ah bon. Il n'y a pas de soucis. Je veux comment faire la complicité là. Elle est en train de chuchoter. Elle chuchotait avec. Allez, Alexia, vous dites que bon, laisse-moi danser en premier. Laisse-moi danser en premier. Est-ce que j'ai dit ça? Quelle affaire? Ben oui. Quelle affaire? Tu veux danser quoi? Voilà. On va danser. Danser n'est pas un problème. Vous connaissez... Allez, vous avez dit quoi? Je vous ai dit que j'aime ça, là. Le challenge. Ok, mets le son de ton choix là. Voilà, non, tu veux quelle chanson? Non, dis-moi non. Ce que tu veux. Parce n'importe que... quoi, je vais danser. Je vais te faire plaisir. Il faut que tu danses à fond, sente que tu danses ce que tu aimes. Mets le son de ton choix. Ah, je te donne cette occasion là. Qui vivra, verra où? Non, non. Mais tu as dit que tu veux le choix. Bon, choisis donc. Complication, tu veux quelle chanson? Quelle chanson tu penses être compliquée pour elle? Complication. Que je ne peux pas danser. Voilà. Même si c'est même si c'est la psycho, hein, je suis non, prête. Non, tu sais, mettons-la dans la vibe. Est-ce qu'elle peut se sentir bien? Qu'elle nous propose un truc où elle se sent à l'aise. Mais propose une complication. Aujourd'hui, on commence pas fort, on commence doucement. Même si c'est la psycho, je suis prête. Votre pas de danse congolais, là, c'est quoi? Comment vous appelez ça? Le makossa. La rumba. Je suis prête. N'importe quoi. Suzy, c'est pas comme ça qu'on danse. Vas-y, comment on danse ça? Allez, complication de vous. Allez, circulez. Changement d'état. Circulez. Changement d'état. Allez, bye. Ça est dépassé. L'application est dépassée par les ONU. Complication est que sa jeunesse est spéciale pour les dents. Voilà, donc il n'est pas dans vos affaires que vous brutalisez le corps là vraiment. C'est la 5 qui aujourd'hui là, c'est 5 quelqu'un quand même.
Restons concentrés. On reste concentré dans ce qu'on fait là, on apprécie le moment et puis on s'est dit. J'espère que le peu d'auditeurs qui sont là aujourd'hui ont été plus satisfaits. Mais ils sont satisfaits. Je pense qu'ils sont satisfaits. Et ça, c'est juste un avant-goût de ce qu'on prépare. On leur a donné ce qu'on pouvait. Et on vous demande de. De vous connecter. Ouais. Chaque dimanche. Heure du Canada, 18h à 20h. Bon, 18h en Afrique, là, on est dans les 22h par là. 18h ah, ah non, en fait, pour, en Afrique oui. Ah non, en fait, c'est 6h. 20h et 18h, il est minuit. Il est minuit par là, ouais, 23h minuit. Je pense qu'on est à 5h, 5h maintenant. On est à 5h là, donc 23h, oui. 23h par là. Oui. Donc. Et en allemand également chez Fallon jeudi, ce sera dans les 23h. Paris, il est 1h. Ah non, ah oui, en ce moment. Ouais, donc, ouais, ça y est. Ouais, là, il est déjà 20h donc. Oui, 20h là, c'est 1h du matin là, en Afrique là. Donc, dans les jours à venir là, c'est pas une punition, c'est un moment de joie et de gaieté. Ouais. Donc, ne vous dites pas que vous restez éveillé pour rien. Vous n'allez pas regretter d'être resté éveillé. En tout cas, on sait tout ce qu'on leur souhaite. Mais on leur rappelle bien sûr que on vous rappelle bien sûr que vous aurez beaucoup de musique et n'ayez pas peur, il y aura beaucoup de musique. Aujourd'hui, là, on n'a pas besoin de beaucoup de musique parce que je voulais juste qu'on s'amuse un tout petit peu. Mais dans vos habitudes, prenez le temps, on aura beaucoup de musique. On va aller au Congo. On va voyager. Hey c'est tout la danse, ou c'est la chanson. On va y voyager. On va passer beaucoup de temps à voyager dans cette place-là. On va finir avec la danse. Ah, okay. On va aller beaucoup au Congo. Elvis Tiemeni, bonjour. On va aller au Congo, on va aller au Rwanda, on va aller partout. On va faire le tour de toute l'Afrique en musique. On va se balader comme on pourra. On va partager avec vous beaucoup de sensations fortes, beaucoup de belles choses en matière musicale pour votre plaisir et votre bonheur. Donc, on vous le souhaite. Je vous le souhaite personnellement que tout se passe comme vous le souhaitez, comme vous l'avez toujours voulu. Donc, on se dit à très bientôt, à dimanche, dans quelques semaines, quelques jours. Alexia? Oui. Quel message pour ta sœur que tu n'as pas honoré aujourd'hui en... Ah, Divaillée. Non, ma sœur, elle sait déjà tout ce que je pense d'elle, mais elle est toujours là à me soutenir. Mais c'est pas ton talent. Elle croyait que... C'est pas Divaillée, mais c'est pas possible. Ce sont des actions qui sont trouvées. Moi, c'est pas moi. Tu me prends comme ça, improvisé. Elle savait que sa sœur... Tu sais que c'est comme les parents. Les enfants savent que les parents sont les dieux. Donc, aucun parent ne peut faillir à quoi que ce soit pour l'enfant. C'est comme ta sœur, elle sait que ma sœur est la meilleure du monde. S'il faut chanter, ma sœur chante. Surtout qu'à la maison, tu chantes plus que tout le monde. S'il faut danser, ma sœur, c'est la meilleure. Ça, j'ai vu, je peux confirmer. Mais maintenant, il faut que là, maintenant, voilà. Elle dit, bien, j'ai tout vu. Tu vois? C'est pas moi. Voilà. Donc, elle dit qu'elle a tout vu. Donc, elle sait que, tu vas plus lui dire. Quand tu vas lui dire que je chante, elle va dire, Non, regarde, elle dit, bien sûr qu'elle a honoré. Pardon? Qu'est-ce que tu dis? Je disais. Ça, c'est la famille. Solidarité familiale. Allez, rapidement, je sais qu'on a dit, on va dire bonsoir à Alison de suite, mais à qui d'autre encore, Alison? Alexia, à qui d'autre avant de partir? À tous ceux qui nous suivent, je vois là dans les commentaires, Jay Blessing, Félicité, la fille. Oui, je passe le bonjour à tous les gens qui nous suivent. On a beaucoup de... C'est fun cette émission. Donc, ce sera ça la promesse, et on rigole, on a du fun. On se tacle un petit peu gentiment, donc faut continuer à nous suivre. Et je rappelle que dimanche, c'est carrément différent parce que nous sommes un jour de semaine et nous sommes dans un complexe écolier. Donc, ça fait qu'on tempère, j'ai essayé de tempérer un peu parce qu'il y a encore quelques élèves dans les alentours et tout. Et ça fait que, mais le dimanche, on met le feu. Donc, allez, Suzy. Rapidement, à qui tu penses aujourd'hui? Tu as dansé, tu as chanté, mais tu n'as pas atteint mon niveau. Ça, c'est ce qu'on sait. Ce sont les faits. Parce qu'il ne faut pas qu'on dise que les faits sont sacrés. Maintenant, ton avis, tu peux dire maintenant que pour toi, ce que tu as fait, c'est ce que tout le monde aurait dû faire. C'est ce que tu estimes que c'est le meilleur niveau que tu aies pu faire. Donc, on va respecter. Bienvenue au club, Suzy. Alors... C'est ça qu'on vit à chaque fois. On va respecter. En tout cas, mais... voilà, on va dire pour la première fois, il faut être courtois. Là. Donc j'essaie quand même d'être dans ce climat-là. On va essayer de ne pas froisser le boss. Non, pas du tout, c'est le boss. Sinon, il va me dire, il va me dire,
Bon, heureusement que l'émission a résisté. Comment dire, heureusement que cet appel, cette émission a résisté. Dans la partie où vous n'avez pas pu chanter, c'est pas moi qui ai dit donc. Sinon, on aurait dit que c'est moi. Donc, c'est pas moi. En tout cas, de toutes les façons, nous, on sait qu'on a fait quelque chose. Et si pas, qu'on donne une autre, vraiment, je crois que. Bon sang, vous respectez. Alors là, un coucou à toutes les personnes, spécialement une amie qui est au Cameroun. Donc, aujourd'hui, hein, oui, mais ouais. C'était combien d'années de mariage avec son époux? Alors, je te souhaite. C'est quel jour qu'elle célèbre? Elle célèbre quel jour? Le 2 ou le 3? Le 2? C'est aujourd'hui, non? Oui, mais ça dépend. Oui, maintenant, on essaie de voir par rapport à chez eux. C'est le 2 ou le 3. Parce que si tu le souhaites maintenant, tu le souhaites à la limite de la fin de la journée. C'est le 2. Ok, c'est bon. Tu es encore dans les temps. Tu es encore. Elle est où? Il est 1 heure. Elle est au Cameroun. Oui. Il est 1 heure. Ça veut dire que nous sommes déjà le 3 au Cameroun. Bon, voilà. Bon, ok, on te conseille. Mais elle lui a déjà souhaité, c'est juste pour la dédicace. Ah, mais c'est pas possible. Même à chercher la tienne, c'est le meilleur. Tu vas étudier l'argument que non, quand j'étais souhaité, il était encore 20 heures au Canada et c'était le 2. Donc, si ça arrivait chez toi à 1 heure, c'est le décalage, c'est le pas de ta faute. Donc, elle va comprendre. Oui, on t'écoute. Ok, alors, justement, on parle du décalage horaire là. Je crois qu'elle comprend. Tu sais ce que je porte pour toi et... Tu portes quoi? Je ne vais pas dire pour ton époux, hein, non. Tu vas dire que je porte pour toi. Alors, je te souhaite tout ce qu'il y a de meilleur, tout ce qu'il y a de beau, ton époux et toi. Alors, continue d'être cette famille-là. Elle n'a pas de nom? Elle n'a pas de nom? Non, je tais son nom parce que c'est une personne vraiment. Si je donne son nom-là, certains vont. Tout le monde va connaître? Oui, oui, oui. Mais ça peut être le chef d'État. Hein. Je tais le nom. Alors, tu sais, on s'est appelé aujourd'hui et puis je t'ai souhaité de vive voix, joyeux anniversaire. J'aurais été encore, puisque j'ai cette opportunité d'être dans un cadre vraiment très propice. Luxueux. Bien luxueux. Exceptionnel. Exceptionnel. Magnifique. Magnifique. Sublime. Quoi encore? Sublime. Merde, jusqu'à les mots me manquent. Dis ça, dis que jusqu'à les mots me manquent aussi. Extraordinaire. Non, dis que jusqu'à les mots me manquent. Jusqu'à les mots me manquent aussi. Non, je ne dirais pas jusqu'à les mots me manquent. Mais ça veut dire que ce n'est pas arrivé au sommet. Non, je peux poursuivre là. Bon, ok, poursuis. Extraordinaire et puis hors du dîner. Merci. Tu vois, donc vraiment, un happy birthday. Je ne sais pas si je peux chanter. Je vais encore chanter. Je suis à la radio là. Je ne sais pas si j'ai quelque chose. C'est là alors que son talent va sortir. C'est là que son talent va sortir. Fais-toi okay. plaisir. Voilà. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Je t'aime beaucoup, tu sais. May God bless your family. May God bless your husband. May God bless you once more. Alors, plein de bonnes choses. Quand c'est pour chanter, on met le mix et les dames. Quand c'est pour du joyeux anniversaire, on mixe même la voix. On aromatise okay. un peu la voix. Alors, merci. C'est pas donné. Je crois que, voilà, te souhaiter joyeux anniversaire chez Choc FM et puis au Canada. Il faut être vraiment... Elle a embelli le souhait d'anniversaire, elle a aromatisé ça. Je te dis. Il dit que oh, la personne va dire, oh, la voix. Et quand la petite chanson, vous allez la dépasser. Ouais, allez, ça fait rien. Bonjour, Tacha Saint-Patrick. Et bien sûr, complication. Tacha Saint-Patrick, c'était le happy birthday. C'était le happy birthday de sa copine qui est au Cameroun, qui fait 10 ans de mariage. Et elle avait peur de donner son nom. Je ne sais pas pourquoi, parce que peut-être qu'on fait des complications encore. On ne sait pas. Bon, complications, tu portes le village, Ferré t'écoute. C'est vrai que ça a été magnifique d'entendre ce happy birthday, de savoir qu'il y a encore des gens qui t'as tuent la famille. Là. J'ai des larmes aux yeux, là, je suis touché. Je crois que je suis très heureux de savoir qu'on a encore la bonne amitié de nos jours. Parce qu'il y a beaucoup qui vivent des amitiés pas sincères. Et quand on en a
des personnes sincères autour de nous, c'est vraiment quelque chose d'assez joyeux, d'assez gai, d'assez beau. C'est des meilleurs à vivre. C'est pas avec tout le monde qu'on le fait, donc quand on en a, il faut en garder et en prendre soin. Bon, ben, quand cela nous tient, c'est sensationnel. Par c'est la même occasion, comme ça, là, je salue mon frère Ferré. Mon frère, de la famille. Là, son prochain commentaire sera pour dire le salut après avoir suivi le village. Non, c'est la famille. Là, je salue la famille et je tout aussi ma fille. Parce que j'ai ma fille qui est connectée là, Dieu blessé. Donc. C'est elle qui a dit que tu parles fort. Ma fille là, c'est elle qui essaye de. Que tu chantes bien, mais tu chantes pas fort. Que je parle fort là, oui, c'est pour ma fille. Elle est là, connectée là, elle est veillée à cette heure-ci là. On est là, Sandonia. Bonsoir. À toi et au bébé. Elle est au Cameroun? Oui, elle est au Cameroun là. Et par la même occasion. Elle a un bébé déjà? Oui. Ah, c'est ta fille? Oui, oui. Mais donc, tu es grand-père? Oui, je suis grand-père. Okay. Ah ben, dis donc. Qu'est-ce qu'elle a fait? Donc, c'est avant qu'on était grand-père. Oui. Maintenant, on est grand-père, grand-mère. Non, grand-père jeune, quoi. Ah, ok, ok. On est jeune grand-père. C'est magnifique. Donc, je souhaite à tout le monde d'être jeune grand-père. C'est meilleur. C'est beau à voir, c'est beau à vivre. Pas papa de chez papa. Donc, et je dis comme ça un bonsoir à tous ceux qui ont été connectés ce soir là. Ça a été un plaisir de vous donner un peu de sourire, un peu de gaieté ce soir là, malgré le climat qui ne nous est pas favorable là. Mais bon, tu as quel problème de climat, complication. Tu as au moins 10 ans au Canada. Tu as quel problème de climat, complication. Ça me surprend là. Quel climat te surprend? Si tu étais alors à Montréal, si tu étais à Québec City, si tu étais au Nouveau-Brunswick. Qui allait m'envoyer là-bas d'abord? Mais tu ne peux pas y aller. Première question. Tu choisis d'y aller. Qui allait m'envoyer? Nous, on est à Toronto. Oui, déjà, on m'appelle de Montréal, mais dit, je sais que j'imagine qu'il fait encore soleil. C'est moi qui l'ai dit non. Je suis encore en train de chercher la province du Canada où il fait chaud toute l'année. Je vais pas en Arizona. Donc, comme je n'ai pas encore trouvé la province, on m'a dit la moins froide, c'était Toronto. C'est pour ça que j'y suis. Ok. On comprend maintenant mieux. Donc, comme ça, je remercie tous ceux qui étaient connectés ce soir-là et on vous dit un grand merci. Et soyez connectés encore dimanche, s'il vous plaît. Ne prenez pas ça pour une souffrance, mais prenez ça pour un moment de joie que vous allez passer. Et d'ailleurs même, si vous voulez, ne vous connectez pas, nous-mêmes, on va se connecter. À toutes ces personnes qui ont pris le temps, parce qu'aujourd'hui c'était tellement un moment surprise, donc on s'est amusé. Donc je vous dis, vous allez vous habituer à nous retrouver les dimanches, entre 18h et 20h. Quel dimanche, quand est-ce qu'on va commencer le plus tôt? Mais on a le lancement des programmes de la radio Choc FM qui aura lieu dans exactement 3 semaines. On va procéder au lancement officiel des programmes de la radio Choc FM. Ça veut dire, si vous êtes passionné, ça je le dis toujours, si vous êtes passionné des médias, vous vivez à Toronto, si ça vous passionne, venez. On a des opportunités pour vous en matière de stage, de bénévolat. Vous vous familiarisez avec la radio et vous pouvez y rester par amour. Il y a beaucoup de domaines administratifs également. Vous pouvez faire du bénévolat, c'est important. Et vous êtes sans ignorer qu'au Canada, le bénévolat est la porte d'entrée dans beaucoup d'entreprises et dans le monde de l'emploi. Ne négligez jamais cela. Parce que les gens vont vous dire, non, le bénévolat est très, très important. Toujours pensez à le faire si vous pouvez le faire. Et si vous êtes passionné de la communication, on est à votre service. Nous, à partir de dimanche, dans les prochains jours, les prochaines semaines, on va se retrouver tous les dimanches entre 18h et 20h en direct. On va s'amuser avec vous. Aujourd'hui, c'est en semaine. Il y a des gens qui sont en train de rentrer du travail, d'autres qui sont en train d'y aller. Parce que le Canada n'est pas facile. Parce que notre auditoire premier, c'est le Canada. Parce qu'on essaie de vous permettre de vivre, de revoir la culture de l'Afrique tout entière ici. Et vous qui êtes en Afrique, de comprendre comment ça se passe ici. Vous voyez comment quelqu'un qui est à Toronto pleure le froid. Alors qu'au Cameroun, en Afrique, là-bas, c'est la chaleur intense. Mais il est ici. Si on lui dit de rentrer,
Il va vous dire mieux. Je sors du Cameroun. Ne s'achète un beau manteau. Je sors du Cameroun. Là, ceux qui sont en Afrique vont dire que mais vous pleurez tous les jours que le Canada est compliqué. Le Canada est dur, le Canada est ceci. Non, mais les Africains qui sachent que je sors de l'Afrique, là, je viens de faire 5 à 6 mois. Pourquoi tu es rentré alors qu'il fait chaud là-bas? Non, je suis rentré parce que j'avais oublié quelque chose dans la maison. Donc, en fait, je suis venu chercher ça pour revenir encore. Et tu es calé. Bon, mais on m'a retenu. c'est allez, retenu. Merci à toutes et à tous. Merci à Ornella Sandrania. Bon, merci à Cyril Ma, Jacques Ninou, l'homme à tout faire de toute la grande communauté Onkam, Cédric Engomain. C'est du sport, Cédric du sport. Tous les samedis sur Choc FM à partir de 11h. C'est 11h, ouais. Sur la radio. Merci à Brel Remonde et merci à Nancy Contif, Ferré Bonjoc. Je te dis pas merci. Portez-vous bien. On se dit à très bientôt. Ok, c'est terminé. Bon. C'est bon. Eh bien, quelle première émission improvisée en plus. La meilleure manière, parfois, c'est... Les improvisations sont parfois meilleures. Quelle affaire. La façon dont tu nous as surpris là, Duvalier, non, mais le poème, franchement. Vous allez commencer à travailler. Là, maintenant, vous saurez que... Mais attends, on peut subdiviser. Ouais, vous avez vu que si on crée... Les rubriques, ça se crée facilement. Et c'est simple. Si on est concentré, on a 3-4 rubriques. On s'amuse entre ces rubriques. Beaucoup de musique. On a fini en 2 heures. Ça veut dire que si on dit qu'on fait du poème... 2 heures, on a fait 2 heures. Après, on a fait 1h10. Et là, c'était juste... Et là, c'était juste improvisé. Il n'y avait pas vraiment...